Christine Van Acker, vous êtes écrivaine, poétesse, vous naviguez entre les genres et les univers. Qu'est-ce qui vous guide au moment d'écrire euh, vers un style en particulier qui va même déclencher votre envie d'écrire Alors, j'ai beaucoup de mal à m'appeler euh, autrice, poétesse ou quoi que ce soit, parce que je suis plein d'autres choses aussi. Euh, et il euh, y a des moments où je ne suis pas du tout euh, autrice. Chez moi, j'aime bien dire autrice. Euh, parce que je fais d'autres choses euh, que, que la vie m'appelle ailleurs, et donc et je pense que tout ce qui est autre chose doit nourrir le moment où je suis dans l'écriture, que ce soit de m'occuper d'un père qui a 94 ans et qui est en maison de retraite ou de d'installer un appartement ou de parler avec une voisine, euh, d'observer un oiseau là là-bas plus loin sur euh, le muret. <laughs> qu'est-ce qui mène à écrire euh, C'est très difficile à dire. C'est quelque chose qui vient de l'enfance, je pense. Avec l'apprentissage par mon père. En tout cas, mes parents étaient bateliers. Ils habitaient sur un bateau. Donc, la scolarité, c'était difficile parce qu'il fallait aller au pensionnat. Donc, ils ont retardé le moment. Ils m'ont ils, ils mis au pensionnat à l'âge de 8 ans. Donc, je suis entrée à l'école en sachant lire, compter, tout ce qu'il fallait. Et mon père m'apprenait, j'étais sur ses genoux, et il m'apprenait en lisant la petite, la petite chèvre turbulente que j'ai retrouvée plus tard. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris à lire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, euh, déjà un bon départ. Et en plus, un apprentissage par quelqu'un qui n'a pas, qui n'a fait que quatre ans d'école primaire, je pense. Donc, euh, je suis devenue par la suite beaucoup plus instruite que lui. C'est ce qu'on appelle les, les transfuges ou transclasses hein. de, de la culture en tout cas. Donc, qu'est-ce qui me pousse à écrire J'ai tendance à dire ces derniers temps. Euh, maintenant que je deviens vieille, <laughs> j'ai 63 ans, c'est plus la nécessité. C'est quand ça devient nécessaire. Avant, j'écrivais parce qu'il y avait des choses qui devaient sortir. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont sorties, mais des choses qui que j'estime je, nécessaires. De communiquer, de transmettre, euh, je trouve que c'est important. Et, et donc, j'écris beaucoup moins. J'écris beaucoup moins ça part d'un cette nécessité que vous que vous pointez, elle part d'un processus conscient chez vous ou c'est une nécessité qui s'impose dans votre esprit et dans votre réflexion euh, d'autrice. Et je pense qu'on a été beaucoup à, après le Covid et pendant le Covid à changer que ce soit dans la création art plastique que ce soit les architectes, que ce soit les auteurs, les musiciens on, on a relativisé tout ça. On s'est dit il y a peut-être des choses plus importantes à faire. C'est peut-être mettre ça au deuxième plan et plus au premier. Et donc je pense que c'est quand même important. Euh, c'est important quand quelqu'un après avoir lu La Bête à Bondo me dit euh, que ça a changé sa vision du monde. Il ne voyait pas le monde vivant de cette manière. Pour moi ça c'est important. Quand j'ai écrit, euh, j'ai écrit un petit manifeste euh, sur le, le fait que j'ai quitté le chômage. Ça s'appelle La dernière convocation. Donc je ne suis pas allée à la dernière convocation, mais j'ai envoyé le bouquin. Et il y a des chômeurs qui m'ont téléphoné, qui m'ont écrit, et qui étaient à qui ça faisait du bien en fait de se dire mais oui c'est vrai, il euh, y a une vie après le chômage. Donc tout ça pour moi c'est important. Il y a un côté militant parfois. J'ai un ami écrivain qui me dit que c'est trop, euh, que je devrais écrire des romans et pas être dans la militance. <laughs> mais je. Oui, tout ça, c'est important pour moi. Oui, vous parlez de militantisme. Euh, effectivement, le texte, l'un de derniers en tout cas dans lequel vous parlez, c'est Comment regarder plus loin 11 rencontres entre science et littérature, qui fait dialoguer des autrices, enfin, et des scientifiques femmes. C'est pas un dialogue au sens euh, interview ou entretien, mais ce sont des, des autrices qui écrivent sur ces. Sur des femmes scientifiques, univers quand même très masculin, en tout cas dans, dans l'imaginaire collectif et dans les, les références. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce, à ce recueil Est-ce justement une forme de militantisme montrer que des femmes euh, peuvent comprendre une formule mathématique C'est ce qu'on appelle l'effet Matilda, hein, le fait que les femmes soient euh, dans, dans l'ombre et que les hommes prennent leur place. Mais ça existe aussi au masculin. Il y a des hommes, euh, que ce soit dans, chez les chercheurs, hein, qui, qui sont dans l'ombre, et puis il y a un nom qui apparaît qui est celui d'un autre. Donc ça peut ne pas arriver qu'aux femmes. Ici, c'est plutôt une commande. C'est Mélanie Godin que je connais, qui est une, une de mes éditrices, qui est aussi directrice de la Maison de la Poésie, et qui est quelqu'un de formidable. Je ne sais pas, euh, elle doit être plusieurs pour faire tout ce qu'elle fait. Et elle m'avait déjà euh, invitée sur un autre projet collectif qui s'appelait géodésique. C'était hommes et femmes qui rencontraient chacun, on était dix, un ou une scientifique. On, on partageait un repas pendant qu'il nous expliquait ses recherches, et après on était libre d'écrire ce qu'on voulait. Alors moi j'ai rencontré son, com son compagnon, Renaud, et lui m'a parlé de la dynamique des fluides. C'était très complexe, j'avais enregistré pour pouvoir réécouter parce que c'était très compliqué. Et voilà, et après j'ai eu des visions de cornflakes et des trucs comme ça même. mais bon. Mais c'était euh, c'était vraiment passionnant de de passer d'une énergie à une autre en fait. Et donc euh, je suis pas foncièrement euh, féministe. Disons que je n'ai jamais senti de frein moi personnellement en étant femme. J'en ai senti chez ma mère, chez ma tante, chez mes grand mères et moi, j'ai pris, euh, voilà, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. Donc, j'ai pu le faire. Euh, j'aime, euh, que j'ai travaillé sur une femme qui s'appelle Christine Brisset à Angers, qui a permis dans les années 50 de loger, de loger 12 000 personnes qui étaient à la rue après la guerre, qui a pris comme ça plein d'initiatives et son mari euh, l'accompagnait dans cette histoire. Il était dans l'ombre. C'était son mari qui était dans l'ombre mais elle n'a jamais revendiqué le féminisme elle était contradictoire d'ailleurs parce que euh, elle disait que les femmes devaient être foyers pour que leur mari quand il rentre du, du, du boulot euh, soit bien bien à l'aise voilà euh, évidemment que je vais défendre la cause des femmes euh, mais j'ai un peu peur en ce moment aussi de certains extrémismes ça me fait un peu peur et euh, j'ai un peu peur que ce soit justement qu'on reçoive des retours de flammes de ça, que ça nous ressoute au visage après. Donc si j'ai écrit cette, euh, ce texte, c'était une commande, et puis c'est aussi parce qu'il y a d'autres autrices qui sont des amies dans cette histoire, donc c'était une petite bande qui a écrit des choses. Et euh, l'histoire dingle était assez passionnante, puisque cette femme a été dans l'ombre jusque, ses plus de 60 ans. Et que c'est un homme qui est venu la chercher pour la mettre à l'avant-plan, quand même. Faut le dire. Et puis, elle, elle bricolait aussi. Elle bricolait pour ses recherches. Elle utilisait justement des boîtes de cornflakes, je crois, pour euh, simuler des choses. Elle a découvert que le centre de la Terre n'était pas solide, mais euh, liquide ou l'inverse, je ne sais plus. Il faudrait que je relise mon texte. <laughs> non, le, le centre de la Terre est solide, en fait. Et autour, il y a du liquide. Et donc, ça, elle a ressent ressenti. Enfin, elle l'a prouvé. Et cette sensibilité euh, scientifique, euh, puisque dans également dans le très beau recueil l'envers de nos corps, donc on viendra un petit peu après sur le, les jeux, sur les sonorités et les mots que vous, que vous pratiquez, euh, il y a un regard parfois scientifique, même dans ce texte très poétique, euh, une certaine rigueur. Euh, D'où vous vient-elle euh, de glisser de la rigueur, si l'on peut dire, dans l'univers poétique Quand j'étais enfant à l'école primaire, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de science. <laughs> donc je, je me disais je vais faire des sciences plus tard. et, et puis j'avais des parents, donc batelier, et j'ai suivi des cours par correspondance pour euh, le lycée et le collège. donc je n'ai pas fait euh, les sciences. Et puis je me suis retrouvée au conservatoire à faire du théâtre. Euh, voilà, rien à voir. mais euh, plus tard, j'ai fait une formation de guide nature. où on, on a une introduction sur la géomorphologie, la pédologie, euh, la biologie. Enfin, le, la mammologie, euh, l'ornithologie, etc. Et ça, ça m'a appris énormément de choses et j'ai voulu, euh, notamment dans la bête à bon et dans l'envers de nos corps, pouvoir restituer certaines choses que j'avais apprises. C'est aussi écrire, c'est aussi une manière pour moi de de garder la mémoire parce que je trouve que j'oublie plein de trucs et donc pour moi ça fixe, ça fixe la mémoire. Et puis la poésie, la, la poésie oui. La poésie comme dit max villani euh, qui est médaille field euh, un mathématicien qui a la médaille field la poésie la, il dit la, les mathématiques sont la poésie de la science il a écrit ça aussi à l'arbre de diane et mais dans la dans la science il y a je trouve beaucoup de, de poésie dans, dans les termes employés euh, j'ai un, un livre ici euh, avec plein de de, de, de noms euh, qu'on ne trouve même pas sur Internet. Donc ça permet d'alimenter de, de, voilà, l'imaginaire aussi. J'ai animé des ateliers d'écriture qui s'appelaient Infuser la science et écrire aussi. Oui. Où j'avais invité un physicien, j'avais invité un cosmologue. On est même allé à l'observatoire et puis on a écrit. Euh, donc on a marié les deux. Pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation. Euh, la bête à Bondo a été corrigée par Léonore. Palmera, qui est une biologiste, parce que je voulais pouvoir aller dans la poésie, dans la philosophie, dans, dans le délire, mais que ce soit correct au niveau scientifique. Et donc elle m'a bien aidée et vice versa. Elle, ça lui a donné des idées. Ah oui, vous vous, euh, vous êtes nourri oui. euh, mutuellement de vos richesses. Elle a vu un peu les choses autrement aussi, vu de cette manière-là. Moi, je suis aussi ami avec Vinciane Després, euh, qui remet un peu les choses à l'heure, euh, des pendules à l'heure dans, dans la vision des, des scientifiques. Il y a, En ce moment, en tout cas, c'est très prégnant. Hein, il y a plein d'auteurs et de scientifiques qui travaillent euh, ensemble, ou qui sont à la fois scientifiques et écrivains. Ou qui dialoguent, effectivement, de manière plus, euh, plus ouverte que ce qu'on aurait pu... Euh... Jean-Pierre Luminet. Jean-Pierre Luminet, c'est un cosmologue, euh, astrophysicien très connu. Il écrit de la poésie. Et pourquoi pensez-vous euh, qu'on en est arrivé à une telle opposition, euh, alors que les mathématiciens que vous citez euh, et les scientifiques sont poètes, parlent de la poésie des mathématiques euh, Pourquoi, dans l'imaginaire commun, en tout cas, euh, ce sont deux champs qui ne communiquent pas bah je sais pas, je sais pas où ça a commencé à se séparer parce que je pense que dans l'Antiquité tout ça se rejoignait la musique euh, <laughs> la la musique des sphères enfin tout ça était euh, présent, je ne sais pas ce qui a fait ça peut-être euh, depuis euh, le 18e siècle, c'est possible. Et puis euh, encore maintenant on met tout dans des boîtes hein. C'est pas possible euh, de faire ce que j'écris en fait, il n'y a pas de genre déjà. J'essaie je... <laughs> de d'inventer un genre à chaque fois. Et donc c'est très difficile pour les libraires, ils ne savent pas très bien dans quoi il faut mettre ça. Mon compagnon fait de la musique, mais il n'y a pas de genre non plus, donc on ne sait pas très bien dans quel bac il faut ranger ça. C'est inclassable. Alors quand on fait plusieurs métiers à la fois aussi, les gens parfois ne savent pas très bien dans quoi on est. Moi je fais de la radio, j'anime des ateliers d'écriture, j'écris, je fais des conférences, et je fais aussi d'autres choses qui n'ont rien à voir euh, dans ma vie privée. Euh, pourquoi pas pourquoi pas? On est multiples. Mais je ne sais, non. Moi, perso, je ne peux pas dire d'où ça vient. Je sais pas. Mais en tout cas, vous, ça n'a jamais été un sujet. Votre rapport à la nature aussi, que, qui est très présent dans l'envers de nos corps. Là, on associe plus facilement nature et poésie. Mais pour vous, que ce soit nature, poésie, euh, puisqu'il faut essayer quand même de vous mettre une étiquette, que les, les gens arrivent à avoir une, les gens qui ne vous connaîtraient pas, une, une idée générale. Euh, et science, pour vous, c'est très naturel. Chaque domaine se nourrit et se retranscrit dans votre, dans votre écriture. Non, oui, oui. Euh, faut, en animant un atelier d'écriture, on peut faire euh, goûter des choses aux gens euh, ils peuvent déguster des choses, euh, écrire en même temps. Enfin, tous les sens sont, sont mis à l'épreuve. Et tout est nourriture, vraiment. Il euh, n'y a pas. Je ne sais pas. Dans cette question, le, le mot qui me dérange le plus, en fait, c'est le mot nature. Un jour, on m'a demandé d'écrire un texte euh, qui était de répondre à la question qu'est-ce que la nature aujourd'hui Et je, je me suis mise en colère, en fait. C est, c est dit, mais enfin, face, déjà dans la question, il y a un problème. Le fait de parler de la nature, parce que la nature, elle est partout, en fait. Qu qu'on habite dans un gratte-ciel à New York, euh, entouré de béton et de métal, ou qu'on qu habite comme ici, moi j'habite dans un petit village de 80 habitants, avec des moutons, euh, des vaches, euh, beaucoup d'arbres, on est dans la nature et nous sommes la nature. Il y avait un slogan pendant que les jeunes marchaient pour le climat qui était euh, ⁇ euh, Nous ne défendons pas la nature, c'est la nature qui se défend à travers nous. ⁇ c'était vraiment ça. J'ai ici un le magazine dans lequel les, le texte est sorti. Ça s'appelle Nos mondes sauvages, c'est paru aux éditions Invenite. Bon, je, je vous lis la fin. Une partie d'entre nous continue à t'appeler haut et fort nature. Ils espéreraient que tu daignes te retourner. Ils désireraient ton regard en échange de leur admiration. Ils te trouvent à leur goût. Ils te prennent de force ou restent immobiles à te contempler. Silencieuse, indifférente face à leurs assauts dévastateurs et à leurs tentatives de réconciliation, tu continues de penser par toi-même sans jamais nous révéler le nom caché de la vie. Rendu muette depuis trop longtemps, ta voix a parlé par ma bouche, depuis la Terre s'est donnée au cosmos, il lui a planté son grand silence dans le cœur. Puis ça se termine par une citation de Novalis, J'appelle nature, cette communauté merveilleuse, nous introduit notre corps. Voilà, c'est pas, pas récent, c'est pas récent le fait de, de mettre la nature là au bon endroit. Il faut vraiment corriger ça, ce côté bon enfant, euh, un peu niais. Je me dire, ah, ouais, moi j'aime bien la nature, <laughs> ou les petits oiseaux. <laughs> Une amie récemment me dit, oh, un petit oiseau. Je me dis, tiens, pourquoi elle parle d'un petit oiseau au lieu de dire un moineau <laughs> là, Au niveau de votre écriture, à proprement parler, euh, on a parlé un peu des, des, des thématiques. Vous jouez beaucoup, rien que le titre, l'envers de nos corps. Euh, bon, Quand on le lit, on comprend, c'est envers la couleur. Euh, là aussi, comment vous est venu ce côté euh, Vous jouez sur les sens, beaucoup, vous faites beaucoup euh, de références euh, au goût. Vous jouez sur euh, les sens qui sont pas ceux auxquels on pense. Il y a vraiment un côté scul de sculpture, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce terme, dans votre écriture, euh, comment le travaillez-vous oui, euh, c'est oui sculpture ou euh, une espèce de kaléidoscope peut-être. Oui, mais euh, il faut pas trop savoir comment on fait les choses en fait. Parfois, euh, je me lance dans l'écriture, voilà, et puis euh, c'est comme quand on parle maintenant ici. Hop, je pars sur un autre truc. Euh, je me dis ah mais là, je vais dériver là. Un mot euh, explose soudain <laughs> et puis ouais. je, je pensais euh, à ce matin à, au courant aérien. C'est comme si euh, j'étais dans une migration. Là, là, je... et puis je suis les courants aériens euh, de l'écriture. Il y a un moment où tout à coup, bah euh, ben oui, là, je vais aller à gauche. Euh, ah tiens, il y a un nuage, euh, je vais l'éviter ou je vais rentrer dedans. Je descends, je monte. Euh, tout ça se tricote, euh, se... se tisse. L'image du tissage, c'est aussi une belle image. Et, mais je j'essaie je, de ne pas comprendre pourquoi ça se fait comme ça chez moi. Euh. C'est ma patte, c'est oui, ma, ma, ma langue, c'est ma voix, c'est ma langue. Et elle n'est pas toujours la même, d'ailleurs. On m'a déjà dit que d'un livre à l'autre, on avait l'impression que c'était un autre auteur. Et oui. quand on lit N'en a qu'un en très haute prudence, paru aux éditions du Chemin de Fer, c'est un écrit, un écrit rabelaisien, à la limite de, de la grossièreté. C'est même grossier <laughs> Et, et, mon fils qui a ouvert la première page je crois qu'il avait 15 ans à l'époque m'a dit ma mère ne peut pas écrire un truc pareil <laughs> et donc il, il n'a pas lu depuis ce que j'ai écrit et ça n'a rien à voir avec la bête à bon dos par exemple la bête à bon dos oui c'est aussi un jeune mot c'est la bête à la bête à bon dos c'est la bête à deux dos hein, la, la, la position sexuelle mais c'est aussi la bête à bon dieu la coccinelle. Et la bête à bon dos, c'est parce qu'on lui met sur le dos des tas de choses dont elle n'a que faire, la bête. Mais ça peut être et beaucoup alors... plus simple. Hein? Pardon, ça peut être beaucoup plus simple. Je, suis, je termine un manuscrit là sur mon père, mais ce sont des phrases très simples. Il n'y a pas beaucoup de second degré. C'est vraiment du, de la description. J'allais justement vous, vous demander sur quoi vous travaillez et dans quelle, justement, dans quelle sonorité, quelle tonalité. Euh... Mais ça s'appelle moi la poésie. Je suis pas trop pour. C'est ce qui a déclenché l'écriture. Un jour, mon père me téléphone et me demande ce que je fais. Je dis bah ben, là je, je suis invité à une soirée poétique. On va lire des textes. Puis il me dit oh, moi la poésie je suis pas trop pour. <laughs> donc c'est quelqu'un. Je me suis j'ai écrit parce que c'est quelqu'un qui n'a aucun échappatoire dans l'imaginaire, dans la poésie ou autre chose. Qui ne voit que ce qu qu'il ne considère que ce qu'il peut voir. Donc il n'y a pas de second degré, il n'y a pas de, de spiritualité non plus. Donc je me demande comment on peut vivre comme ça. Il a 94 ans là, et donc c'est un manuscrit qui est presque fini là. Je m'interroge là-dessus et aussi où je parle beaucoup de la vieillesse, de cette dégringolade. Mais voilà, ça, ça fait rire tout le monde quand je parle du titre moment où j'étais sur une euh, sur sa terrasse chez lui et c'était le, le moment des perséides. Bon, c'était le bon moment pour voir les étoiles filantes, mais le ciel était couvert et je lui dis ah c'est dommage on ne verra pas d'étoiles filantes euh, ce soir. Et puis il m'a regardé vraiment complètement étonné. Il me dit mais ça te servirait à quoi de voir des étoiles filantes Là, c'est pour camper le personnage. Euh, après à l'adolescence j'ai commencé à écrire des poèmes comme beaucoup d'adolescents. Il me disait mais ça sert à rien. C'est vrai que d'un strict point de vue littéral, euh, ça ne sert pas. Ça ne permet pas de changer une ampoule euh, ou de sauver euh, la planète, forcément. Mais l'écriture, je le dis toujours aux, aux, aux stagiaires, euh, quand j'anime un atelier, ça sauve pas forcément. Et ça peut être même néfaste. Donc c'est pas forcément un élément d'équilibre. Mais c'est vrai que ça peut aider. Je pense que moi, ça m'a aidé. Euh, je pense que ça, ça va équilibrer en tout cas, mais c'est pas forcément systématique. Oui, c'est pas non plus tout l'un ou tout l'autre. Non, non, non. du côté un peu très Parfois, romantique. Euh... Mmh. Parfois, il faut mieux aller se promener ou, ou faire du yoga ou, ou du jardinage ou. <laughs> que je fais aussi du jardinage. <laughs> oui, je, je voulais dire aussi que euh, ce qui guide l'écriture, c'est le style avant tout. Euh, Marguerite Duras. Et Elle disait, il euh, n'y a pas de sujet. Le sujet, c'est le style. Et donc, il y a quelque chose dans l'écriture qui exige d'écrire sur ceci ou sur cela aussi. Il y a aussi cet aspect-là dont on n'a pas parlé. Et c'est cette direction qui vous qui vous correspond à vous, en tout cas à votre pratique de l'écriture et de l'inspiration. Vous vous retrouvez plus là-dedans. Oui. ouais, ouais. ouais. Euh, on peut écrire sur rien. <laughs> Il y a, je ne sais pas, une 20, 25 ans d'ici, mon compagnon me disait toujours que je devais écrire. Et je lui répondais souvent, mais j'ai rien à dire. <laughs> mais il ne faut pas forcément avoir à dire. Et c'est lui qui vous guide. Votre style, en plus, est très particulier, d'autant, comme vous le disiez en début d'échange, que vous l'adaptez ou le modulez en fonction un petit peu de la thématique ou de ce, qui vous, ce sur quoi vous écrivez. Mais c'est pas volontaire. Il est libre, votre, votre style, il a une vie propre. Oui, c'est ça, c'est une, une autre respiration. <laughs> ben, je vous remercie pour, euh, pour cet échange. <sonstëls>